Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre une belle aventure ? Bon. Ces petits chevaliers n'ont qu'une seule idée en tête, retrouver le trésor du dragon enfoui dans les tréfonds du château de Ranrouette. Mais cette quête n'est pas sans péril et l'aide de la sorcière Pélagie armée de son grimoire est la bienvenue. Recette de la potion d'invisibilité pour affronter tous les dangers sans être vu. C'est ça qu'il nous faut, hein ? Une gorgée de potion et les damoiselles et damoiseaux sont fin prêts à passer la porte du château. Cette chasse au trésor plonge les enfants et leurs familles au cœur d'un monument vieux de 800 ans. Et les occasions de le découvrir ne manquent pas. Ça va de la visite animée avec la sorcière Pélagie, en passant par des visites conférences pour les amateurs de vieilles pierres ou d'histoire. On a également un petit jeu d'observation qui permet de découvrir le site en s'amusant et aussi en passant un bon moment en famille. Il y a le côté historique, architectural, et il y a aussi le côté romantique, avec toute cette verdure et ces vieilles pierres. Et ces trésors cachés que les enfants tentent de découvrir, il leur faudra pour cela explorer les tours du château fort tout en échappant à la vigilance du dragon de Ranrouette. Cet été, un parcours nocturne sera proposé au public. Les familles pourront découvrir dans l'obscurité ce que renferment ces murs.